Bienvenue à tous, ici Tars. Aujourd'hui, un deck complètement all-in pour se faire plein de nouveaux amis. Depuis que je joue ce deck, ce matin, il y a plein de gens qui m'ont ajouté dans leur liste d'amis. Donc voilà, c'est un deck très plaisant pour sociabiliser. Alors, le principe du deck est simple. On mise tout sur le fait de jouer Okurt, donc le maître chaîne cœur, le plus tôt possible, si possible au tour 3. Et on attend que nos amis nous ajoutent plein d'amour pour nous féliciter d'avoir joué une très belle partie de Hearthstone. Alors, vraiment, hein, j'ai gagné genre 4 ou 5 amis depuis ce matin là. C'est un deck absolument pas prise de tête. Voilà, vous le jouez quand, concrètement, vous le jouez quand vous n'avez pas envie de réfléchir. Et c'est un deck qui gagne même si vous êtes un peu nul. Même si je sais que tous les viewers de ma chaîne, vous êtes plutôt badass. Voilà, de temps en temps, vous n'êtes pas en forme, tout ça, vous n'avez pas envie de trop réfléchir. Et vous vous dites, j'ai envie de jouer un deck tout simple. Eh bien, le voici. Donc, la seule compétence nécessaire pour jouer ce deck, c'est de bien compter pour savoir comment jouer, comment atteindre le plus vite possible 9 de mana. Et ensuite, un petit top deck Maître Chaîne Cœur et c'est réglé. Donc voilà, faut juste réfléchir. Est-ce que vous devez faire pièce, nourrir? Quand est-ce que vous faites vos projets de biologie? Vous étudiez rapidement toutes les situations du début là dans votre tête. Et vous jouez Chaîne Cœur dès que vous pouvez. C'est un deck qui parfois marche bien, parfois marche pas du tout. Le Maître Chaîne Cœur va ramener un couvre dragon ainsi que l'Enchantresse Drakari. Et puis une autre carte à 3 de mana, à 3 d'attaque, mais on s'en fout un peu. Et donc, vous allez ramener 2 dragons grâce à l'effet fin de tour du couvre dragon qui est activé 2 fois. C'est pas un deck nouveau, mais c'est un deck qui fonctionne assez bien dans la méta parce que je vois pas trop de voleurs quêtes en ce moment. Le deck est un petit peu faible contre les voleurs quêtes. Contre les decks très contrôle comme celui-ci qui ont beaucoup de dégâts de zone, ça peut être un problème aussi. Mais généralement, le deck est juste fort contre tout en fait, tout simplement, hein. C'est un deck qui peut tout gagner. Parce que souvent, vous vous retrouvez avec 9 de mana qu'un adversaire, il en a que 4 ou 5. Et il n'a absolument pas les réponses pour gérer votre deck. Allez, est-ce qu'on va avoir un petit top deck Shenker bientôt? Ok, Izera, c'est bien aussi, ça me va. Oh là là, ça va être beau. Petite Izera autour. On est tour quoi là? J'ai gagné combien de mana? 1, 2, 3, 4. Izera tour 5. Izera tour 5. Hop. Alors, est-ce qu'il peut la gérer? C'est possible. J'ai filé pas mal de mana. Cauchemar est pas fou, mais s'il me la gère pas, j'ai acclimatation enchantresse qui me permet d'en avoir 2. Ah, il a l'air d'avoir la solution. Un silence. Bah, c'est vrai que ça fonctionne, ça. Ça fonctionne. Ok, couvre dragon, c'est très bien. Allez, on va tuer ça. On commence à avoir un board sympathique. Est-ce qu'il peut nous tuer la 2-4? Oui, non, non, oui, non. Non. Du coup, on va ramener 2 dragons grâce à l'enchantresse. Et là, on espère qu'il n'y ait pas de baston. Acclimatation, on va éviter. On veut pas lui donner le baston, hein. S'il en a pas, faut vraiment en profiter. Hop là, c'est parti. Et là, il y a 2 dragons qui arrivent. Par contre, s'il a une baston, on n'a pas perdu, mais presque. C'est pour ça que le deck est complètement all-in. C'est genre, vous êtes un joueur de poker, dès que vous avez une main, bam, all-in. Et souvent, vous vous faites punir, mais de temps en temps, ça passe. Allez, le couvre dragon qui reste, s'il te plaît. Ok, un petit roi liche, là. Ou maître Shenker, ça va aussi, mais un petit roi liche, ça serait parfait. Comme ça, on récupère 2 cartes. Allez, Maître Shenker, c'est bien, c'est bien. Ça nous rajoute un dragon. Hadronox qui va ramener les taunts.
Voilà, c'est les parties comme on aime, évidemment. Ok, il m'a pas volé à Dronox, tout va bien. On a plus de dragon à ramener, par contre. Ok, une petite colère, c'est sympathique. On va la faire là-dessus. Et un roi Lich, il va s'activer deux fois. Ça, c'est très bien, ça. On va faire ça comme ça. Je vais taper face parce que sinon il peut faire armor up et s'il a trop d'armure, ça peut être embêtant par rapport à son sort qui fait des dégâts égaux à son armure. Ok, deux cartes du roi Lich, c'est pas du tout les meilleures. Surtout dans ce match-up, mais bon, ça ira. Dans ce match-up, on veut Frostmourne, on veut. En vrai, lui, il est ok dans le match-up. On veut lui voler un serviteur aussi, peut-être. Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf. Bon, acclimatation paraît bien ici. La question c'est qu'est-ce qu'on joue à côté? Franchement, ça c'est bien, hein. Ça permet d'avoir les embranchements pour gagner au tour d'après. J'aurais dû faire dans l'autre sens. Mais bon, l'acclimatation était tellement bien que j'aurais probablement rien joué d'autre, quoi qu'il arrive. Alors là, s'il nous tue à Dronox et qu'il fait baston, on peut prendre trop cher. Ok, il a pas tué à Dronox. Il pouvait la tuer en fait? Non, il pouvait pas, hein, j'avais que 4 d'attaque. Non, bah ça va en fait, c'est tranquille. 9. 9 et 8. Bon, ça c'est létal de toute façon, hein. Allez! Alors, est-ce qu'il va nous ajouter en ami? Tu sais, j'ai pas beaucoup de place. On va faire un petit peu de place dans la liste d'amis. Vas-y. On va virer un peu des gens au pif. Voilà. On fait un peu de place, hein, parce qu'on veut des nouveaux amis. J'espère que je vais en avoir dans cette vidéo, parce que normalement, à peu près une partie sur deux, vous avez quelqu'un qui vous ajoute en ami. Et il vous dit félicitations, bien joué, t'as vraiment du skill. Et surtout, faut rester poli quand ça arrive. Hein. Vous répondez merci, ça fait longtemps que je travaille ce deck. Des choses comme ça. Bon, on va parler un peu de la construction du deck. Il y a beaucoup de gens qui mettent pas de colère et de spellstone. J'aime pas trop spellstone dans le deck parce qu'on a rien pour la booster. Enfin, très peu de choses. On n'a pas le spell à 3 qui donne de l'armure, ni l'appel du chêne. Donc au final, la spellstone elle est très difficile à booster. Et comme on se vide assez vite la main, moi j'aime bien avoir une colère pour piocher. J'aurais presque envie d'en jouer deux, des colères. Le seul souci de jouer deux colères, c'est comme on a beaucoup de trucs qui coûtent 9. Mais en fait, vous pouvez faire un truc qui coûte 9 et une spellstone. Vous pouvez pas faire un truc qui coûte 9 et une colère. Donc c'est ça l'idée. Contre un mage, c'est probablement tempo. Donc on va garder Malfurion. On garde pas acclimatation contre mage. Par contre, vous pouvez en général garder le projet de biologie, parce que le mage, il manque très souvent de ressources, à part s'il pioche à lunettes. Donc, c'est à peu près au. Enfin, le projet de biologie, finalement, je pense que vous pouvez souvent le jouer tour 1, voire même le garder au mulligan pour le jouer dès que possible, contre tous les decks agressifs qui ont de la difficulté à récupérer une main. Donc, c'est le cas de mage en général, de paladin. Mais c'est pas le cas d'un zoo par exemple. Puisque le zoo il va pouvoir live tap
et vraiment profiter des deux manas que vous lui offrez. Contre Druide aussi, vous évitez de faire le projet de biologie, sauf si vous avez un bon follow-up. Si vous avez ensuite. Enfin, si votre main c'est nourrir et Maître Shenker, clairement le projet de biologie vous le faites. Donc voilà, c'est. Faut s'adapter. On va tuer ça, comme je vais faire des 1-5. Ça va être sympa. Mage Big Spell, je pense que c'est quand même un bon match-up parce que même s'il a pas mal d'AOE, c'est pas comme le guerrier qui fait des AOE qui détruisent directement vos serviteurs comme la baston. Là, ça va être des AOE qui vont faire 7, enfin, entre 4 et 7 dégâts. Et du coup, il y a de bonnes chances que vos serviteurs y survivent. Bon, le deck sort pas toujours comme ça, hein. Évidemment, c'est vraiment un deck de sortie. Un peu comme un mage tempo qui va gagner que s'il a sa Wyrm de mana au tour 1. Bah là, vous allez gagner que si vous avez croissance ou projet de biologie et nourrir. Et pas si votre main de départ c'est Maître Shenker, Adronox, Izera et deux dragons. Voilà, c'est clairement un deck de sortie, hein. Ce qui veut dire que c'est simple à jouer. Assez agréable. Un peu deg quand tu joues contre. Ça, c'est le souci. Donc, spammez pas trop ça, on l'adore. À utiliser avec modération, voilà. Mais le projet biologique est vraiment fort dans le deck. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des gens dans la decklist, ils jouent qu'un seul Drakkari. Enfin, qu'une seule Enchantress Drakkari, je pense qu'il faut en jouer deux. Vraiment. Il y a cette carte-là aussi qui est jouée parfois, mais je préfère le lutin cupide. Et c'est à peu près tout. Vous pouvez mettre des trucs un peu plus greedy, genre Tyrantus, mais. Faut. C'est greedy quoi. Là, vous êtes complètement all-in, il n'y a pas de backup. Vous faites votre Shenker, il est géré, tant pis, il n'est pas géré, vous gagnez. Et c'est bien. C'est sympa. Je vais essayer de parler à chaque fois que je présente un deck des petites modifs à faire si vous n'avez pas toutes les cartes. Ah tiens, j'ai pas eu une musique. Pas eu une musique du fond. Si vous n'avez pas toutes les cartes, malheureusement, là, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire, hein. Quasiment toutes les cartes sont indispensables. En tout cas, toutes les cartes qui coûtent plus de 8 de mana. Et si vous voulez rajouter de nouvelles cartes, vous pouvez enlever une plaie envahissante, un balayage, ce genre de cartes. Mais bon. Je pense que la version comme ça, elle est bien. Y a pas grand-chose à changer. Allez là, donne-moi un Maître Shenker. Nourrir, c'est pas mal du tout ici. Bon, faut pas que je pioche tous mes dragons, mais. Nourrir, armor up, spellstone, ce truc-là. Et full face. Donc là, c'est cool, on récupère un autre dragon, il en reste. Un seul dans le deck malheureusement, mais Maître Shenker qui ramènera un autre dragon, c'est sympa. Peut-être que c'est possible de jouer Eldemort dans le deck aussi. Eldemort peut être sympa. Je le joue pas parce que. Alors, c'est pas forcément une explication qui tient la route, mais en gros, quand vous jouez Eldemort et Izera, si vous faites Maître Shenker et que vous ramenez vos deux dragons, des fois vous allez avoir aucun taunt. Et c'est dommage de perdre une partie contre un deck agressif où vous jouez au Curt et que bah y a pas de taunt quoi. Bah du coup mon Maître Shenker va pas ramener grand chose là. Je pense qu'il faut continuer. Roi Lich, double acclim. Parce que là, Shenker, il ramène une 1-5. Et une autre 2-4.
C'est pas fou. Parce que le dragon, il va venir quoi qu'il. Roalish a l'air un peu meilleur. Double acclim et full face. Bon, là, le souci, c'est qu'il a un bon trade. Le point positif, c'est que je récupère une carte. Malheureusement, j'en récupérerai pas plus. Peut-être que ça aurait été mieux de faire le chaîne cœur, comme ça, s'il gère ce board. Ça aurait été sympa. Peut-être aussi garder une acclim pour s'il fait Blizzard Hospice. Ah, je suis pas satisfait de mon tour, là. Limite, chaîne cœur aurait été mieux, même s'il faisait pas grand-chose. Il ramenait une 1-5, une 2-4. Je pouvais toujours faire projet de biologie double acclim derrière si je voulais. Et j'avais le roi Lich en backup si mon board se faisait gérer. Là, le roi Lich, je le donne, quoi. Bon, y a très peu de réflexion à avoir dans ce deck, mais il y en a un peu de temps en temps. Et on va faire un nouveau concept pour la vidéo. Vous savez, j'ai fait « je joue tant que je gagne » mais « je joue tant que je perds ». Là, on va faire « je joue jusqu'à ce qu'un de mes adversaires m'ajoute en ami ». J'espère que la vidéo va pas durer 2 heures. Quoique, les parties vont vite, ça devrait aller. Les parties vont vite, c'est dynamique. Ok, ça c'est dommage que je l'ai pas eu plus tôt. On va voler un serviteur. Saronite, c'est pas mal. On peut se débarrasser de sa créa ici. J'aime bien. Normalement, il a plus de gel. Donc, il va essayer de gagner ce tour-ci. La sœur rieuse, elle survit au Flamestrike. Donc, je vais la jouer. Là, faut qu'il fasse Fureur du Dragon qui donne Flamestrike. Il me reste 2 serviteurs, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Faut en plus qu'il ait un artificier des arcanes ou un truc du style. Ok, pour l'instant, il l'a. Ah, Météor qui se met bien. C'est vrai que j'ai pas trop joué autour. J'aurais dû réfléchir un peu plus à mon placement. Là, j'ai 17 dégâts. Plus 3, j'ai 20 dégâts, hein, c'est bon. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 11 et 6, 17, 17 et 3, 20. Parfait. Bon, lui, je pense pas qu'il va nous ajouter en ami, puisqu'on a fait une sortie à peu près normale. Une bonne sortie, mais pas trop abusée non plus. On va relancer. Alors ce matin, j'ai eu plein d'ajouts en amis. Et j'ai même eu un vrai ami, parce que je dis ça, mais évidemment, c'est des gens qui ragent, hein, qui m'ajoutent. Mais ce matin, il y a un vrai ami qui est venu. Il est venu vous parler en anglais, pendant que je streamais. Il a fait, avec un anglais très approximatif, et il a dit qu'il avait déjà vu le deck, mais qu'il aimerait bien le voir en action. Ah non, ça c'était... Non, c'était le mage. Ah non, j'ai pas eu d'ami avec ce deck. Allez, les croissances, les nourrir. Allez, de la rampe, de la rampe, de la rampe, de la rampe. Oh là, le chêne cœur. Oh, le nourrir. Oh, le lutin cupide. Faut juste pas piocher le deuxième coup de dragon. Vraiment, on dirait du poker, cette partie. Genre, juste, t'arrives, t'es all-in, et il y a 1 million d'out qui te font perdre. Genre, ça peut être la pioche du deuxième coup de dragon. Ça peut être ne pas avoir croissance nourrir. Tout te fait perdre. Mais des fois, ça passe. Ok, est-ce qu'on coigne le lutin? Bof, hein. Tu peux avoir dans la tête, ensuite lutin tranquille. S'il le tue, nourrir. S'il le tue pas, pièce nourrir.
Chaîne cœur en doré qui fait toute la différence, évidemment. Vraiment, cette carte, elle a tout pour faire rager l'adversaire. Genre, à la fois quand tu la joues, tu sais que c'est complètement abusé. Ou plutôt, quand ton adversaire te la joue, tu sais qu'il a complètement abusé parce que la carte, elle toute seule, elle fait gagner. Mais quand tu vois qu'en plus, le mec, il est là avec son petit sourire et qu'il te regarde en mode « Je t'ai bien niqué, bâtard !» Non, vraiment, cette carte, elle est parfaite. T'as l'impression que chez Blizzard, ils ont senti que ta carte, elle devait dégager une aura comme ça de... rentre chez toi. C'est moi le patron. C'est trop ça. Ok, croissance nourrir. Je pense qu'on va partir sur Aklim la 2-2. Pièce Schenker. On a clim cette carte-là. Hein. Allez, peut-être piocher une Spellstone serait mieux. On veut juste pas perdre. Ah, quoique. Sinon, j'acclimate rien du tout. Hein. Ah, mais s'il déclenche plusieurs fois son râle d'agonie, c'est la lose. En même temps, si j'acclimate, il y a plus de chances qu'il en pioche une et qu'il déclenche plein de fois son râle d'agonie. Allez, acclimatons-le. Ouais, c'est un bon tour 5 hein, qu'on a fait. Lui, il va peut-être ajouter en ami. Ah non, je l'ai fait piocher la carte. Il peut l'activer. Il tue ma meilleure carte. Par contre, sur double embranchement, il prend tellement cher. Attendez. Ça se passe à 6, ça trade. 5, 6, 7, 8. C'est quoi? On va faire double embranchement en contrat plus tard. Et il a dit bien joué, lui c'est un pote. Hein. Ah lui il va nous ajouter lui. Est-ce que c'est la fin de cette vidéo? Je comprends pas, c'est imparable. Je veux des amis. Allez, projet de biologie, croissance, nourrir, balayage, très bien, là, un 5, très bien aussi dans le match-up, ça fait des petits trades sur les tokens. Oh là 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 là. Road to top 100. Ah, faut que je dise un petit truc aussi. Vous savez, il y a une quête bras de fer qui est un peu chiante là, où vous gagnez 300 gold à condition de faire 5 bras de fer. Bras de fer, le bras de fer du moment là, du roi Lich et tout. C'est super long parce que le meilleur deck c'est Jaina, donc tout le monde prend mage. Et les parties elles peuvent aller souvent à la fatigue. Du coup, a priori, ce qu'on m'a dit, j'ai pas vérifié, mais une petite astuce, c'est simplement de. Qu'est-ce qu'il joue lui? Peut-être pas faire le projet de biologie tout de suite contre lui, surtout que j'ai pas de follow-up. Ouais, une petite astuce, c'est juste, bah vous, en fait, vous pouvez faire le bras de fer entre amis à deux,
Et bah, vous le faites l'un contre l'autre, chacun votre tour, il y en a un qui gagne, puis l'autre qui gagne. Et pour aller très vite, vous le faites. Je crois que ce qui va très vite, c'est. Parce que vous n'avez pas le droit de concede, sinon c'est trop facile. Donc ce qui va vite, c'est la quête. Pardon. C'est le déca du paladin. En gros, vous faites vos 4 chevaliers là très vite. Et au tour 5, en fait, vous avez gagné. Ou même au tour 4 avec la pièce. Bref, vous faites très très vite vos chevaliers. Et il y en a un qui meurt, l'autre qui meurt, l'autre qui meurt. Et je pense que c'est un des moyens les plus efficaces de finir cette quête qui peut être vraiment très très longue à réaliser. Je pense vraiment pas que j'ai un bon match-up ici contre un paladin contrôle. Pourquoi? Parce que. Bah, le problème c'est que. Je peux faire maître Schenker, et lui il va faire égalité consécration et j'ai perdu. Donc lui ça va pas être un ami. Ah oui, il y a ça aussi qui me tue. En fait, à peu près n'importe quoi qui peut jouer me tue. Isdera serait sympathique. Ah, Klim, c'est pas fou du tout, hein. Ok, nourrir c'est cool. Enfin, c'est cool. C'est ok, hein, ça reste pas fou. Trek primordial, par contre, il va être vraiment bien. Ce que je peux faire, c'est jouer ça et double trade par là. Envie de balancer la clim tout de suite. J'ai juste faire ça. Le tour d'après, je ferai mon drague du crépuscule. Mon drake primordial, pardon. Ah, est-ce qu'une Aklim, ça se mettait pas bien? Il avait une overdraw. Non, je peux tuer les trucs meilleurs. Il y a peut-être un petit Tyrion dans son deck. J'aimerais bien qu'il lâche une égalité maintenant. Double Aklim, roi liche, ça peut être propre aussi là. Ok. Consacre. Ou juste tous les trades. Ok, il prend tous les trades à la main. Il pioche en fin de tour, c'est pas bon ça. Ok, petite colère pour piocher et le drake primordial. J'aimerais bien setup roi liche, projet de biologie, enchanteresse Dracarry pour que je puisse vraiment en profiter de cette carte. Surtout avec Isera et roi liche en main. Je sais pas si ça va être possible. On va jouer Isera, caché derrière le petit taunt, c'est déjà ça. Il devrait balancer une égalité ici. Sachant qu'il a égalité pour 1 en main, puisqu'il a fait le spell et que.
Ah. Moi, je sais. En fait, comme il a joué ça pour 2 de mana, et que je pense que le seul sort qu'il a qui coûte 2, c'est égalité. Je sais qu'il a une autre égalité en main. Donc, va falloir essayer de le pousser à la jouer. Ça va pas être facile. Deuxième plaie envahissante serait bien ici. Nope. On va jouer ça qui va ramener un Drake. Il sait pas que j'ai plus de dragon dans mon deck. Donc il pourrait balancer l'égalité ici. À moins qu'il ait tous les trades à la main. Ça me paraît compliqué à gagner ici. Attendez, mais. La carte qu'il a eu gratos là, c'était quoi? Ah, mais c'est. J'ai pas suivi un truc là. Non, ouais, il l'a toujours en main, il me semble. Ok, pouvoir héroïque là-dedans. Malfurion en taunt. Après, il y a un truc où je suis bien. C'est qu'à tout moment, je peux lui faire 15 dégâts à la fatigue. Si jamais il a le DK qui arrive pas bientôt. Et qui peut pas commencer à remonter ses chevaliers. Peut-être mettre une sacrée pression. Ok, il y a le setup que je voulais. Est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je patiente un petit peu? Je vais le faire maintenant. Donc là, je pense qu'il balance l'égalité. L'armée des morts sert pas à grand chose. Deux armées des morts encore moins. Quoique, ça ramène à Dronox. Je sais pas s'il joue un silence. Ah, oh, Uther lui permet de gérer ça. Du coup, il va avoir une égalité pour Adronox. Non, ok, il la balance maintenant. C'est bien l'égalité à 1 comme on avait prévu. J'ai bien envie d'envoyer l'armée des morts là. Ok, bon, on va envoyer Adronox direct. Donc là, il n'y a plus d'égalité. Ah, il lui reste peut-être le spell à 5. Qui transforme tout en 1-1. Tant pis, je prends le risque. Le roi Lich, ça c'est très bien. J'ai un finisher si j'ai repasse board. Je crois qu'il joue le spell à 5 qui transforme tout en 1 dans son deck. Il va le jouer maintenant, ouais. Aïe aïe aïe. Alors ceux-là, je peux vraiment pas les laisser sur le board. Je pourrais donner plus de maintenant, mais il va juste faire consacre, ça m'apporte pas grand-chose. Et il va commencer à remonter ses 4 cavaliers. Avec Zola, avec les pandas. Peut-être que j'aurais pas dû faire l'acclimatation. Sur Adronox. Shenker pourrait mettre 3 créas, c'est déjà pas mal. 3 créas derrière, je les booste, il y a peut-être un truc à faire. Il va commencer les remontoirs. Ça lance compliqué. Ok, si trade, c'est la play qui part. Le plus de direct.
Il a encore la pièce en main. C'est fort. Il récupère un truc qu'il n'avait pas encore. Donc là, il peut faire tac, tac. Donc là, il a l'étale en fait. Il peut faire ses deux cavaliers. Pouvoir héroïque. Le T3 qui reset l'hero power et refaire les cavaliers. Ça coûte 11, donc il a l'étale. Enfin, je peux rien faire. On va lui laisser faire sa combo quand même, c'est sympa. Attendez. J'avais pas un coup à faire où je tuais mes créas et je laissais 4 créatures sur le board. Comme ça, il pouvait pas faire tous ses cavaliers. Ah, j'y ai pas pensé. Ah, je saurai pour la prochaine fois. Parce que là, je pouvais encore gagner 12 d'armure. Il y a peut-être un truc à faire avec ça. Bah, je tenais deux tours, à mon avis, je perdais quand même. Hein. Bon, les dernières parties, sinon la vidéo va être trop longue. J'espère que cette fois, on va avoir un avis, sinon, bah, c'est la tristesse. Ça ne représente pas vraiment la sociabilité du deck. C'est pas le même. J'espère que c'est un paladin impair cette fois. Qu'on s'amuse un peu plus. Je vais même pas garder swipe. Puis bon, faut aussi que je vous montre des mauvaises sorties avec le deck, mais là il sort trop bien. Parce qu'après vous allez dire, ouais, Tars, tu triches, tu fais des vidéos, et je suis sûr, tu les retournes 14 fois jusqu'à ce que tu aies une bonne sortie. Non, c'est faux, hein. Moi je montre tout, ça m'arrive jamais. Enfin si, ça m'arrive des fois de tourner une vidéo et puis que elle soit nulle, mais pas parce que je perds, mais parce que les parties sont juste pas intéressantes. Genre quand tu fais une vidéo et que tu croises 4 fois le même match-up et que ça prend 30 minutes et qu'il se passe rien, ah là j'en refais une, même si je gagne d'ailleurs. Un paladin pair. Je m'y attendais pas non plus, mais ça peut être cool. Ok, pièce nourrir, renourrir, couve dragon. Encore une fois, le paladin pair, il a égalité, consécration, tout ça. Après, il n'a pas trois égalités, il n'en a que deux, lui. Si je fais pièce lutin, il y a de grandes chances qu'il meure, mon lutin. Je me retrouve avec. Ouais, non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Allez, faut pas piocher. Deuxième coup de dragon pour que notre maître Shenker soit parfait. Là, on pourra le faire dans 3 tours. D'abord, on joue ça, puis pièce Shenker. Ok, on veut pas piocher la deuxième enchanteresse non plus. On commence à avoir beaucoup d'outs négatifs là. Allez, tue-moi ça. Oh, il l'a tué. Oh merci. Merci beaucoup. Bon, en même temps, avec le projet de biologie, ça va rien changer. J'ai aucun intérêt à jouer ici le projet. Ça a rien. Autant faire pièce Shenker. J'ai pas envie de lui donner de mana. Il y a une sortie agressive. Allez, pas de deuxième coup de dragon, sinon c'est perdu là. Là, il me faut vraiment deux taunts maintenant, quoi. Et qu'il n'ait pas égalité.
Allez, pas d'égalité, s'il te plaît. Égalité, il peut faire 12 dégâts, donc j'ai perdu. Ah, il joue vite, il l'a. Non. Faire misplay, pose un truc. Eh, il est pas sympa, hein. On en refait une. La dernière. Je veux... On a perdu en faisant vos cartes au tour 6. Terrible. J'ai la meilleure sortie du monde et j'espère quand même. C'est la dernière cette fois, c'est sûr. C'est pas grave, je mettrai en vignette les screens des amis qui m'ont ajouté tout à l'heure. Ça sera sur la miniature. Encore un paladin? Oh mais qu'est-ce que c'est que cette méta? C'est du jamais vu. Contre paladin, on peut garder le projet. C'est le mec de tout à l'heure avec son OTK là? Oh non. Bon, en vrai ça va. Allez, un impair cette fois. S'il te plaît, j'ai deux swipes de play. Ah, c'est le mec de tout à l'heure avec son OTK. Des fois, on rencontre des trucs bizarres. La méta est variée. J'ai pas croisé de paladin pendant 2 jours. Et là, j'en croise plein. Attendez, jouez ça le mec de tout à l'heure, non? C'est que ce deck. Il jouait pas ça, je crois, l'autre. Cristallographie. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, il va me jouer des œufs et tout. Ok, on va pas tuer son chariot à viande, je pense. Un petit projet de biologie, pièce, roi liche, ça serait bien là. Évidemment, ça fonctionne pas. Hein. C'est un peu comme Bran, cette carte-là. Vos effets de fin de tour se déclenchent 2 fois, c'est pas... se déclenchent 1 fois supplémentaire. C'est-à-dire que là, les deux se cumulent pas. Celle-ci, elle dit les effets de fin de tour 2 fois. Celle-ci, elle dit les effets de fin de tour 2 fois. C'est pas 1 fois de plus pour chaque. Ça fixe un nombre. Est-ce que c'est trop faible, plaie envahissante? Parce que swipe, c'est nul. On va faire plaie pour se protéger. Et on va attendre et faire pièce roi liche. Il va y avoir 2 cartes. Je pense pas avoir un très bon match-up. Hein. Que Drake est mieux que Roi Lich, non. Non, on veut profiter du double Dracari. Oh, 2 givres, je pense que c'est bien ça. Enfin, ça dépend ce que je tue avec, mais normalement il y a des grosses cibles dans son deck. Il peut tuer le Roi Lich. Je pense pas qu'il puisse tuer les 2 Dracari en même temps. Du coup, sur un top deck Shenker ou Izera, c'est cool. Ou même Couvre Dragon. Ok, un œuf qui arrive. Ziliax sur l'œuf, ça sera embêtant.
Quoi? Il mérite tellement de se prendre. Ah mais non, mais je peux pas jouer Zera ou Shanker. Bah si, avec projet de biologie. C'est fou qu'il m'ait laissé les trucs en vie. Balayage, ça a l'air cool. Équipé d'ogives aussi. J'ai rien de génial. Hein. J'espère en garder une en vie en fait avec ce play. Comme ça, sur un top deck, j'ai trois top decks qui sont cool. 4. Shenker, Izera et les deux coups de dragon. Pour profiter un max de ces doubles fins de tour. Ah, il faut Shenker là. Ou coup de dragon. Je suis probablement mort. Bon bah tant pis. On n'aura pas eu de nouveaux amis, je suis triste. La déception est grande. Mais moi je vous garantis, si vous jouez peut-être à des rangs un petit peu plus faibles, que vous faites pas peur à l'adversaire avec votre dos de carte dorée, je suis sûr que vous aurez plein plein d'amis. Ok, one off pour l'instant. Et c'est létal. Bon. Allez, bah merci d'avoir suivi cette vidéo. Tant pis pour les amis imaginaires qu'on n'aura pas eu. Et on se retrouve très bientôt. Normalement, une vidéo un peu spéciale demain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao!